got a brand new bag. Salut à tous, c'est Eric Le Gaucher Galago Music. Aujourd'hui pour vous, un petit peu de funk à l'électrique avec le morceau Papa's Got Brand New Bag, titre incontournable du répertoire de James Brown, et ce morceau a d'ailleurs donné ses lettres de noblesse au funk, puisque je crois qu'on peut dire qu'à partir de cette année-là, c'est-à-dire 1965, le funk est devenu vraiment un genre indépendant, alors qu'il était souvent catégorisé rhythm and blues. Et ce sera également une bonne occasion de rendre hommage au guitariste de ce morceau qui s'appelle Jimmy Nolen, qui a vraiment développé un son qui lui est carrément propre, on a même donné un petit nom assez gratte-gratte, on appelle ça le Chicken Scratch Sound. Si si. Et dernière petite chose avant de commencer, le titre de ce morceau ne signifie pas « Papa a un nouveau sac ». Oh, génial ! Bon, littéralement, c'est ça, mais en fait, il s'agit d'une expression américaine qui veut dire « avoir un nouveau truc à soi ». En l'occurrence, le papa du morceau, il kiffe danser et c'est son nouveau truc. Voilà. Allez, raccrochage et je vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau des réglages de la guitare, j'ai mis le sélectionneur de micro en position intermédiaire. Et pour l'ampli, je me suis mis comme ça, donc canal clair, un pot de saturation dans ce morceau. Alors quand le morceau commence, on a une levée de cuivre là, la guitare peut doubler cette levée en faisant ceci. Donc on partirait sur le E du quatrième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là j'ai fait un accord de Si majeur sous cette forme là. Donc vous placez l'index en 7-7 des cordes de Si et Mi, le majeur en 8 de la corde de Sol et l'annulaire en 9 de la corde de Ré. Vous essayez avec le bout de l'annulaire de venir bloquer la corde de La et en plus vous placez le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi. On entend uniquement les cordes de Ré, Sol, Si, Mi. Voilà. Une fois que vous avez fait cette première attaque, on attaque notre accompagnement, donc c'est comme si on se retrouvait en toute première mesure de notre cycle. On va avoir trois positions d'accord, voici la première. Quand on est sur les quatre premières mesures de notre morceau, on va faire ceci. 7, 7, 7. C'est comme si, en fait, on jouait un gros Mi 9, comme ça. Sauf qu'on n'a pas besoin ni de cette corde-là, ni de celle-ci. Uniquement des trois dernières. Vous essayez de bien bloquer la corde de Ré et vous viserez comme ça dans les aigus. Et ce type de placement, c'est justement ultra caractéristique du jeu de Jimmy Nolen qui avait l'habitude de faire des voicings sur deux notes ou trois notes de manière à avoir un petit son bien claquant. Au niveau des placements rythmiques, on va balancer cet accord sur le deuxième et le quatrième temps. L'afterbeat encore une fois. Ce qui va donner pour une mesure. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait une mesure. Donc pour que ça sonne bien cette histoire, il faut absolument que vous piquiez votre accord. Faut pas de 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est mou du genou. Justement, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et cette mesure-là, vous la faites 4 fois de suite. En fait, on se trouve dans un blues en 12 mesures. Donc on a déjà un petit peu la suite en tête normalement. Donc 4 mesures à faire. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. 3e. 4e. 2. Le deuxième accord, ça va être celui-ci. 1, 2, 3, 4. Là, c'est pareil, c'est juste trois notes qui sont issues de l'accord de la septième. La septième, ce serait ceci. On a conservé le 8 de la corde de Si. On va rajouter le 6 ici, corde de Sol, ce qui nous fait un triton. Hein. Et là, la septième case de la corde de Ré. 7, 6, 8. Même façon que tout à l'heure, on bloque le petit Mi, on se débrouille avec le bout du majeur pour bloquer la corde de La et le pouce par-dessus pour être sûr qu'on puisse tout gratter et avoir uniquement les notes qui nous intéressent. Rythmiquement, ce sera la même chose qu'avant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc niveau structure, on a 4 mesures en Mi, comme ça. Après, on aura 2 mesures uniquement en La 7. Après, on reviendra sur 2 mesures en Mi. Après, on va trouver une mesure en Si, et ce sera notre dernier accord, qui va se placer exactement comme le La7, le La qu'on avait ici, mais deux cases à droite, c'est-à-dire 9, 8, 10, des cordes de Ré, Sol, Si. Donc là, pareil, 1, 2, 3, 4, voilà. Je vous joue tout depuis le début. 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, cinquième mesure, sixième mesure, septième mesure, huitième, neuvième, voilà. Pour la dixième mesure, c'est le seul endroit où on va taper vraiment sur le premier temps. Et on va refaire un accord de La7. Je vous fais la mesure 9 et 10 pour voir ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 1, Papa's got a brand new bag. Et c'est sur les mesures 11 et 12 qu'on va trouver ce dernier plan. 1, et ça redémarre au début. Donc sur cette onzième mesure, je me place sur un accord de Mi 9. Ce coup-là, il est joué de manière complète. On n'a plus que les trois aigus, mais on a carrément la sixième case de l'accord de Ré,
la septième case de la corde de La, blocage du gros Mi, sonne comme ça. Donc cette onzième mesure, c'est un peu la difficulté du morceau. Il va falloir le bosser pas trop vite au début pour être sûr d'avoir le bon nombre d'allers-retours et surtout que ce soit bien régulier. Donc on part sur le E du premier temps, ce qui va donner 3, 4, 1. E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Encore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Au niveau du médiator, il faut que le poignet soit vraiment très très souple et avoir une attaque qui soit proche des cordes. Moi j'aime bien casser un peu le poignet comme ça, un peu comme quand on fait la pompe manouche, de manière à ce que ce soit vraiment que le bout du médiator qui vienne gratter et que ce soit pas raide. 1. Et pour terminer le morceau à la 12e mesure, vous refaites le Si comme au tout 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 début, ce qui sert en fait de relance pour repartir ensuite en Mi. Je vous refais tout du début une petite fois et c'est bon. 3, 4, 1, 2, 3, 4, le Mi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien piqué. Le Si. 1, 2, 3, 4, 1. Papa's got a brand new bag. Petit détail pour terminer, donc la grille de 12 mesures elle donne ceci. Donc quand vous avez fait cette grille là deux fois de suite, sur la troisième fois que vous la réattaquez, au lieu d'avoir que 4 mesures de Mi, il y en a 12. Voilà. Donc vous ferez 12 fois la mesure de Mi. 1, 3, machin, machin. Et après, la suite de la grille telle que vous la connaissez. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce rouge, un petit commentaire, tout ça. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également découvrir les deux vidéos initiation au funk que j'avais déjà enregistrées maintenant il y a bien longtemps. Allez, bonne musique et à vous, à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao.